Salut toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo édition Bullet Journal avec le Plan With Me du mois de décembre moins. Le tout dernier mois de l'année, c'est génial ça. Le tout dernier mois de l'année, celui que beaucoup de gens attendent. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre ça. Alors cette année s'est passée à une vitesse mais c'est impressionnant. Je n'ai pas vu le temps passer mais alors pas du tout. Je sais pas si pour toi c'est pareil mais waouh. Donc du coup pour le mois de décembre, et bien vu que le temps a passé extrêmement vite et que c'est le dernier mois de l'année, et bien j'ai voulu faire un thème sur le temps. Le temps qui passe. Et je me suis dit que représenter le temps par des sabliers serait l'idéal. Donc du coup, le mois de décembre est représenté avec plein de petits sabliers. Alors je leur dis, hein, je suis une novice complètement dans le dessin. C'est pas génial, ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est fait avec les mains et c'est le principal. Voilà, j'ai pas triché, j'ai fait toute seule comme une grande. Alors, je suis pas douée en dessin et encore moins en coloriage parce que j'ai débordé de partout. Mais c'est pas grave parce que moi j'aime bien quand même. Et c'est le principal. Donc du coup voici la petite page de présentation avec un sablier bien évidemment. Et à côté, une petite citation. « Rien ne sert de courir, il faut partir à point. » L'année dernière, j'avais fait une double page aussi pour les cadeaux d'anniversaire. Enfin, de Noël, pardon. Mais cette année, je l'ai pas fait parce qu'en fait, l'année dernière, je m'en suis pas servi. Donc, je voyais pas l'intérêt de gaspiller une double page pour quelque chose qui n'allait pas me servir. Alors, au niveau des couleurs, je savais pas du tout ce que j'allais faire pour ce mois-ci. Non, j'en avais pas la moindre idée. Alors, du coup, j'ai choisi les mêmes couleurs que j'utilise régulièrement. C'est du bleu et du marron. C'est des couleurs qui me correspondent très bien, donc c'est l'essentiel, voilà. Le marron pour le bois et le bleu pour... parce que j'adore le bleu, quoi. Donc je pense que certains, vu que c'est la fin de l'année, ils vont utiliser un nouveau bullet journal, même si le leur n'est pas terminé. Chose que je ne vais pas du tout faire, parce que je n'aime pas le gâchis, et vu que je peux faire encore facilement 2 mois dans ce bullet journal-là, et ben je vais le finir, tout simplement, avant d'en entamer un autre. Voilà, moi je fonctionne comme ça. Et tant pis si ça plaît pas. Donc voilà pour ma petite page de présentation. La page suivante, c'est le calendrier et les trackers. Et cette fois-ci, vu que c'est le dernier mois de l'année, eh ben, j'ai voulu complètement changer l'aspect. Donc j'ai essayé de faire les choses différemment. Alors j'ai pas mis de sablier parce que pour le calendrier et puis les trackers, je m'en fous un petit peu. Voilà. Donc on retrouve quand même tout le temps la même chose. Hein. On a le calendrier d'un côté et les trackers de l'autre, avec les statistiques, les habitudes et les humeurs. C'est juste que c'est différent, quoi. Voilà. Mais ça reste pareil. Toute première semaine du mois de décembre qui commençait par un dimanche, donc c'est pas, je voulais pas faire une double page juste pour le dimanche, du coup je l'ai calé avec la deuxième semaine, du coup ça me fait une semaine à 8 jours, donc comme si de rien n'était parce qu'au final ça se voit même pas, hein. Ça rentre dans une double page donc c'est principal. Et on retrouve 2 petits sabliers en plein centre de chaque page, et on retrouve 2 sabliers à chaque centre de page. Donc le premier sablier, le sable est complètement déversé jusqu'en bas, alors que dans le deuxième, c'est l'inverse. En fait, j'aurais dû faire l'inverse, mais c'est pas grave. Hein, on s'en fiche. Oh là là. Parler pour rien dire, comme d'hab. Donc on entame du coup la 3e semaine. Et cette fois-ci, on retrouve un petit sablier sur chaque jour. Tiki, tu arrêtes de parler en même temps que moi, t'es vilain. Et donc les sabliers, plus les jours avancent et plus le temps coule, le temps passe. On voit le premier, le lundi, le sablier est tout en haut alors que le dimanche, il est tout en bas. Voilà. Donc comme pour chaque mois, là, j'ai refait mes petits casiers parce que je trouve que c'est plus sympa de se repérer avec le temps quand c'est comme ça. Ils sont juste disposés un petit peu différemment de d'habitude. On entame la 4e semaine du mois de décembre avec un très grand sablier sur le côté et les jours de semaine à côté, toujours dans des casiers. On enchaîne avec la 5e semaine, la semaine de Noël. Ouais, toujours rangé dans des petits casiers. Et vu qu'il restait un emplacement, j'ai pu faire un petit sablier. Et au passage, toi qui ne regardes que mes vidéos Bullet Journal, il se peut que, je sais pas moi, enfin bref, si tu n'étais pas au courant, j'ai ouvert une 3e chaîne YouTube qui est dédiée à mes animaux. Ils font tellement de conneries que j'ai trouvé ça drôle de les filmer et de partager leur bonne humeur avec eux, avec tout le monde, les gens. Donc tu peux retrouver le lien de ma 3e chaîne YouTube en barre d'infos. Et on finit avec la dernière semaine qui ne compte que 2 jours, le 30 et le 31. Pile poil pour le réveillon, c'est génial pour la nouvelle année. Et du coup, j'ai pu me réserver la page d'à côté pour faire un très très grand sablier. Ouais, et j'ai essayé de mettre le paquet.
Bon, c'est pas génial, hein, mais voilà. Ça se passe de commentaires. Et donc, bah voilà, le mois de décembre est maintenant terminé. Donc j'espère que ça t'aura plu, ça t'aura donné des idées, ça t'aura aidé, je sais pas, moi, ben, bref. Comme d'habitude, dis-moi tout ce qui te passe par la tête en commentaire et j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. N'hésite pas à me dire aussi ce que toi tu as réalisé pour ton mois de décembre. Et si jamais t'as fait des vidéos, bah, je serai très heureuse de venir voir ça. Donc, laisse-moi un petit commentaire et puis je viendrai voir. Voilà. Ainsi que tous les réseaux sociaux sur lesquels bah, je partage assez régulièrement. Donc du coup, si tu regardes que ces vidéos-là, et bien, je te dis à l'année prochaine. Ou bien alors, à vendredi pour une nouvelle vidéo. Voilà. Et en attendant, et bien, je te fais quand même tout plein de gros poutous et je te retrouve très très vite. Bah oui, je viens de le dire. Allez, bye.